Bonjour, bonjour, je vois que ça commence à se connecter tout doucement. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Coucou Evelyne. Ah, monsieur Patrick, welcome Patrick. How are you? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Wilfried, je suis le créateur de Revues et Corrigés, je suis artisan en relooking de meubles et je me trouve dans le sud de la France. Voilà, je suis également créateur de contenu pour la marque Dixie Belle Paint, donc une marque de peinture américaine, et ambassadeur de marque pour Would You Bend et Pochalk qui font des moulures flexibles et également des produits pour le DIY. Je vais vous en présenter également certains aujourd'hui pendant le live. Voilà. Je vais faire maintenant un petit coucou. Salut Catherine! J'espère que vous allez bien, c'est samedi. Moi je suis comme d'habitude hein, avec mon petit café. Coucou Michel. Donc aujourd'hui on va faire une petite réalisation ensemble. On va réaliser, je crois que c'est Michel d'ailleurs qui m'a dit qu'elle en avait une à faire également. Coucou Sophie. Donc on va réaliser une petite boîte à mouchoirs. Comme ça, vous voyez. Voilà, qui se remplit par le dessous. J'ai déjà pris quelques repères, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai déjà pris quelques repères sur le devant pour poser des moulures. Et surtout, je vais vous parler j'allais dire d'un nouveau produit. Non, le produit n'est pas nouveau, il est nouveau pour moi. Parce que voilà, je ne le connaissais pas encore, je l'ai découvert il y a quelques mois. Virtuellement par le biais de Would You Bend parce que les fabricants et les distributeurs de cette peinture sont distributeurs Would You Bend et Pochalk et donc et quand j'ai vu les couleurs sur le site, j'ai dit putain, il faut que je teste. Voilà, voilà. Coucou Christine, coucou Lolo. Ben voilà, dites-moi ce que vous faites depuis ce matin là. Vous avez pris le petit déjeuner, le café, tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à partager le live si vous le pouvez. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Sinon, je le ferai après. Bonjour Karine. Et voilà, bah on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par vous présenter les peintures que je teste donc aujourd'hui. Canapé, ouais, je suis sur mon canapé, Evelyne. Je suis dans le bazar en plus que, bah, comme vous avez pu le voir sur mes publications, je suis en train de refaire mon enfilade de salle à manger. Voilà, donc là dans le salon, en fait, on a bougé tous les meubles. C'est un bazar sans monstre. Sans nom, pardon. Un bazar monstre. C'est samedi, hein, je vais y arriver. Et dans mon atelier, ben, dans mon atelier, en ce moment, il y a tellement de choses. J'ai une table que je suis en train de refaire pour une cliente, mais qui prend une place phénoménale. Donc ben, je me suis installé là. Voilà, vous avez un peu les plantes derrière et mon bazar. Ah Lolo, à fond samedi matin, course à pied, lessive, ménage, décapage des escaliers, nettoyage de la serre. Ah, c'est toi qui fais canapé, Evelyne? Bah moi aussi, tu vois, regarde, on fait chacun canapé. Partagez, merci Michel. Tu bichonnes tes plantes. Ah, moi c'est le dimanche, je fais. Alors là, vous les voyez pas, mais derrière, je vais essayer de vous montrer un peu. Derrière, j'ai ma collection d'orchidées. Et donc le bain, c'est demain. Voilà. J'espère que. Je vais attendre 2 secondes parce qu'il y a un décalage forcément. Voilà, allez, j'ai les orchidées qui sont là derrière. Voilà. Donc, le bain, c'est le dimanche. Voilà, je vais attendre que l'image soit remise bien en place. Et je vais vous présenter donc ces fameuses peintures qu'on va tester aujourd'hui. Alors c'est une gamme de peintures qui vient de Belgique, qui s'appelle Patine d'or.
Certains la connaissent peut-être déjà, d'autres peut-être pas encore. C'est une. Alors cette peinture, elle est. pardon, elle a été créée par Aline et Aurélien de la boutique Les Patines d'Aline, qui sont relouqueurs de meubles depuis 14 ans et qui ont eu envie d'avoir une peinture qui leur ressemble et qui répondent vraiment techniquement à tout ce qu'ils avaient envie. Donc du coup, ils ont créé leur propre peinture, leur propre gamme de peinture, donc patine d'or. Vous avez une gamme meuble mat ou velours, donc un peu plus satiné. Et vous avez également une gamme chantier qui est actuellement en cours de reformulation. Donc je ne vais pas en parler trop de cette gamme-là, je ne vais même pas en parler du tout, à part vous dire qu'elle existe et qu'elle est en train d'être reformulée. Donc qui est très pratique. Et la gamme chantier reprend exactement les mêmes couleurs que la gamme meuble. Et il existe également une base à teinter, donc la même base que ces peintures-là, que les peintures meubles ou les peintures chantier. Et qui est teintable, donc avec un nuancier, pardon, de 1000 couleurs. Donc il y a de quoi faire. Il y a vraiment du choix, beaucoup de choix. La gamme patine d'or réellement compte pour l'instant 40 couleurs et vous en avez à peu près normalement une dizaine nouvelles tous les ans. Voilà, jamais vu. Mais moi non plus, je les avais jamais vues avant. qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pris des notes hein, pour pas oublier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour l'instant sur ces peintures? Alors, la marque Patine d'Or est belge. La base, uniquement la base des peintures, qu'elles soient blanches ou neutres, est fabriquée en France. Mais tout le reste est fait au sein de la boutique Les Patines d'Aline. Donc par leurs petites mains, ils sont une dizaine, je crois. Il y a 7 personnes sur les chantiers, ils doivent être 3 ou 4 à la boutique. Et tout le conditionnement est fait à la main. Donc ils remplissent les pots, ils mettent dedans tous les pigments nécessaires, qui sont des pigments naturels, et ils teintent eux-mêmes leur base. Et ils la conditionnent aussi, donc ils font les étiquettes, ils font vraiment tout à la main. Donc c'est très artisanal, il y a le moins possible d'industrialisation. Les liants également sont naturels, puisque ce sont des liants végétaux. Donc c'est une peinture qui est très écologique, qui a un taux de COV très faible. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors elle est applicable bien sûr au pinceau, mais elle est également applicable au pistolet, après dilution. Coucou Sylvia! Donc applicable aussi au pistolet après dilution. Et les céruses, elles sont fabriquées en Belgique. Alors les céruses, je vous les présenterai pas aujourd'hui, je les ai pas. Là, je vais pouvoir vous présenter 5 couleurs et la finition satin. Voilà. Alors ça c'est le nuancier de patine d'or et le nuancier également. Donc nous avons Aline et Aurélien. Et le nuancier également est fait à la main. Donc en fait, toutes les pastilles de couleur qui sont à l'intérieur sont peintes à la main au pinceau. Donc vous avez les couleurs réelles sur le nuancier. Vous voyez, toutes ces petites pastilles-là, c'est peint à la main par les petites mains des patines d'Aline, de l'équipe des patines d'Aline. Ça, ce sont les 10 couleurs de la collection 2022. Voilà, avec. Alors, pas avec des couleurs que j'utilise aujourd'hui. Les couleurs que j'utilise aujourd'hui, elles font partie de la première ou deuxième collection. Je ne sais pas trop combien en ont été sorties au début. Ouais, elles sont vraiment belles. Et je vais vous en présenter. Vous allez voir, elles sont hyper pigmentées. Les teintes sont vraiment très. Comment dire? Je sais pas comment dire. J'en perds mes mots.
Voilà, donc tout ça, c'est peint à la main. Donc vous avez un vrai nuancier. Et ensuite, donc je vais vous montrer. Oh, il est super nuancier. Ouais, franchement, il est super bien. Je bois mon petit latte comme d'habitude. Et donc, le conditionnement, voilà, c'est conditionné en boîte métal, comme ça. Une fois qu'elles sont finies, bah, vous pouvez très bien les garder pour faire des porte-pinceaux. Vous pouvez les relooker aussi. On recycle au maximum. Et donc, le conditionnement est fait à la boutique. Les étiquettes sont collées à la main. Et le pareil que sur le nuancier, la petite pastille de couleur qui est ici, vous voyez, celle-ci s'appelle Abyss. La petite pastille de couleur qui est sur le pot est également peinte à la main. Voilà. Alors, pour moi, quelle différence? Alors, différence avec Anislone, j'en parlerai pas parce que je n'ai encore jamais testé les peintures Anislone. Voilà, donc je ne vais pas faire un comparatif avec un produit que je ne connais pas. Avec, avec les peintures d'Ixibel, elles sont peut-être un peu moins mates, forcément elles ne sont pas crayeuses, puisque ce n'est pas des peintures à la craie. La différence, moi je les trouve un peu plus fluides. Elles se blendent très bien, elles se mélangent vraiment magnifiquement bien. Elles sèchent moins vite. Donc le vaporisateur que j'ai toujours avec moi, mon petit brumisateur, est pas forcément toujours utile. Avec la peinture d'Ixibel, je l'ai souvent, très souvent à la main pour faire les blendings parce que c'est vrai que la craie sèche relativement vite. Après, une différence notable, non. Voilà, mis à part quelques détails comme ça, techniques, on va dire, il n'y a pas une différence flagrante, mais c'est quand même bien pratique pour faire les blendings, de ne pas avoir toujours à remouiller et parfois à mouiller excédemment. Alors, pardon, pour les pots, ceux-là, c'est du 220 ml, ce sont les plus petits. Sont les plus petits, 220 ml, mais il existe, j'ai pas noté, j'aurais dû, il existe d'autres contenances, pardon, qui vont vraiment du petit, 220, au beaucoup plus gros. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que la gamme bois, il y a au minimum, il y a du 1 litre, ça je suis à peu près sûr. Après, je ne sais plus, honnêtement. Dans la gamme chantier, je crois qu'il y a du 2,5 litres, qu'il y a... Enfin, il y a une gamme de contenance assez étendue. Alors, on va déjà dire au revoir à Maloney. Voilà, ça commence. Hop. Et voilà, donc ben, pour l'instant, je vais déjà commencer. Attention, attention, un gourou. Ouais, ça y est, c'est bon, je m'en suis occupé du gourou. Donc, j'ai pris des... J'ai pris des petits morceaux de contreplaqué comme ça, qui sont très bien pour faire des sous-verres. Voilà. Et je vais vous montrer un peu les trois teintes déjà que j'utilise pas sur la boîte aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai commandé 5 teintes. Alors, c'est pas du placement de produit. Hein. Voilà. Je suis pas payé par la marque pour les présenter. Ce sont des peintures que j'ai achetées. Pour les tester. Donc je vais vous présenter trois couleurs sur ces échantillons. Les deux autres, je vais les utiliser sur la boîte, donc vous les verrez forcément. Et je vais sur la quatrième vous présenter la protection satin, parce que ils disent dans la description que la protection satin ne teinte pas le bois, ou vraiment très faiblement. Donc ça, j'ai pas encore essayé. Donc on va l'essayer ensemble pour voir ce que ça donne. En termes de prix,
il se situe comment? Alors, en termes de, j'ai pas tous les prix, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, le pot de 220 ml comme ça, c'est 14,90 €. Et ils ont un site, bien sûr, ils ont un site qui est en descriptif, dans la description, je l'ai mis le site. Je sais pas si je peux le... Non, là, je peux pas, parce que du coup, je suis que en... Non, mais il est dans la description. Le site s'appelle patinedor.be. Voilà, mais il est dans la description. Vous avez également dans la description, normalement, la page des patines d'Aline, la page de Patine d'Or également, Facebook. Alors après, on peut le vernir ou le cirer. C'est comme on veut, honnêtement. C'est comme toutes les, quasiment toutes les peintures pour les meubles. Ou, voilà. On cire, on vernit, on fait un peu ce qu'on veut. Bonjour Gabriella. Bonjour d'Italie. Buongiorno Gabriella. Je n'en dirai pas plus, hein. Allez, on va, je vais vous amener un peu plus sur la table. Du coup, maintenant, je vais mettre mon petit retour là. Et je vais vous amener sur la table. Voilà, vous voyez un peu mon bazar en même temps derrière. Voilà. Alors là, on va commencer par la couleur Abyss, qui est un bleu un peu vert et que moi je trouve, mais franchement, magnifique. Regardez-moi ça. Alors là, à l'écran, moi je le vois bleu, mais il est bleu vert. Je vais par contre le mélanger. Et bien sûr, tu vas pouvoir regarder tout le site, Michel. Bon, je te dis, je sais que les petits là sont à 14,90, mais voilà, il y a pas mal de contenances différentes. Et donc il y a la gamme meuble qui s'appelle bois, la gamme bois, mat ou velours, donc qui est satiné. Et après, vous avez la gamme chantier. Pareil en mat ou en velours, avec les mêmes couleurs et toujours la possibilité de faire teinter la base des peintures. Il existe un nuancier de 1000 couleurs. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Alors, hop, je vais me mettre là, comme ça vous le voyez bien. Et donc, la couleur Abyss. Alors attendez, parce que là je suis un peu à l'ouest. Hop, je vais me mettre plus par là. Et je vais me mettre à plat. C'est pas forcément facile, hein, comme ça. Et là vous voyez que j'en ai même trop sur le pinceau. Et ça couvre, quoi. Là on est sur du contreplaqué. Donc le contreplaqué ça boit quand même. Alors certaines couleurs sont un peu plus facilement bues que d'autres, mais ça c'est normal, hein. Dans toutes les peintures c'est pareil, certains pigments sont moins comment dire, sont moins opaques à la première application, mais ça c'est pour toutes les peintures, hein. C'est pas voilà. Et voilà, vous voyez, franchement l'application est super aisée. Hop, et je le mets dans l'eau. Voilà ce que donne la couleur Abyss. Donc là, vous la voyez plutôt bleue. Je ne sais pas si en la rapprochant, vous verrez plus. Mais elle est vraiment bleu-vert. Je dirais que c'est Dixie Belle. Comme vous connaissez pas mal Dixie Belle, ça correspondrait à peu près au Peacock, mais un peu plus foncé. Ouais, les pots sont sympas. Ouais, les pots en métal. Donc celui-ci, je vais le mettre là. Je vais prendre une petite lingette pour rincer mon pinceau qui me sert de mélangeur. Ouais, Antebellum aussi, c'est un peu entre les deux en fait. Entre l'Antebellum et le Peacock. Voilà.
Donc ça, c'était la couleur Abyss. Ensuite, je vais vous montrer la couleur qui s'appelle la couleur pourpre. C'est son nom. Elle s'appelle pas pourpre. Elle s'appelle la couleur pourpre. Voilà. On va la mélanger aussi un peu. C'est vraiment l'atelier artisanal aujourd'hui. Hein. Je sais même pas où poser mes affaires. J'ai pas de place. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous voyez ce que je vous montre. Alors, la couleur pourpre qui est un violet. Alors, lui, il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est sublime. Donc j'ai pas trop chargé mon pinceau parce que c'est quand même très 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 pigmenté et on va relativement loin quand même avec assez peu de peinture en fait. Donc ça sert à rien de charger le pinceau là. Je sais pas où me mettre pour que vous voyez, c'est pas simple. Là, je suis tellement dans un petit espace. Nacro du violet, Michel. Eh ben, regarde celui-ci parce que franchement, celui-là, il est juste magnifique. Ce violet, donc la couleur pourpre. Alors je ne sais pas chez vous, chez moi il apparaît à l'écran plus clair qu'il n'est réellement. Il est un peu plus foncé. Ouais, franchement il est vraiment magnifique, il est vraiment très très joli. Donc voilà pour la couleur pourpre. Après, ce sont des peintures qui sèchent quand même relativement rapidement, mais pas aussi rapidement que la Scholl Paint. Donc c'est quand même pas mal aussi d'avoir quelque chose qui ne sèche pas tout de suite. Pour moi, par exemple, qui suis dans le sud, si je peins dans mon garage, en ce moment c'est très compliqué, pardon. En ce moment, c'est très compliqué pour peindre dans le garage. Bah parce qu'il fait une chaleur à mourir. Donc voilà. Et là, donc maintenant, je vais vous montrer le Grand Cru. Nous allons partir à Bordeaux. Donc, c'est un Bordeaux. Alors, il fonce en séchant. Lui, c'est le seul que j'avais un tout petit peu testé quand j'ai reçu les peintures cette semaine. Hop, je vais essayer de ne pas m'en mettre partout quand même. Voilà. Il est un peu plus clair dans le pot qu'en vrai. Une fois sec, il est un peu plus foncé. Donc lui, il s'appelle Grand Cru. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre. Je n'ai pas encore toutes les réponses parce que bah, je ne maîtrise pas non plus. Je ne maîtrise pas encore tout sur Patine d'or. Hein. Je viens de les recevoir. Donc
Là, je les teste avec vous. J'ai déjà fait un petit test avant, mais vraiment petit. Donc en fait, je découvre aussi. Hein. Et voilà notre grand cru. Donc voilà, il fait un peu marron, mais il est rouge bordeaux. C'est vrai qu'à l'écran, c'est rarement simple de voir une couleur. Voilà, on la voit un peu mieux comme ça. Voilà, comme ça, il est un peu mieux. Il est un peu plus foncé qu'à l'écran. Donc voilà pour les trois couleurs déjà. Donc je vous rappelle, Abyss à droite, au milieu couleur pourpre, la couleur pourpre, et à gauche le grand cru. Voilà, voilà pour les couleurs. Et maintenant, on va faire le test, parce que lui, je ne l'ai pas testé, donc je vais le découvrir en même temps que vous. C'est la protection satin. Voilà. Qui est indiquée comme ne teintant pas le bois, ou alors vraiment très très peu. Donc, bah, on va le savoir, hein. On va tester. On va prendre pareil, notre petit contreplaqué. Voilà. Et on va appliquer la protection satin dessus et on va voir ce qui se passe, parce que là, ben, je n'en sais rien. Donc on va voir si si vraiment ça teinte ou pas. Eh ben, je crois qu'on a la réponse déjà dès le début. Voilà. Comme vous pouvez voir, effectivement, ça ne teinte pas le bois du tout. Et il a vraiment gardé la même couleur que de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, bah, il est mat. Et là, il est satiné. Voilà. Et voilà. Coucou Sandra. Je t'appelle pas par ton surnom, les gens vont rigoler. Sandra, c'est ma nièce. Voilà, donc ouais, franchement, ce vernis, bah, du coup, super, quoi. À tester sur des bois, là, on est sur du contreplaqué, mais à tester quand même sur des comment dire, des bois massifs, bruts. Mais voilà, apparemment... qu'est-ce que c'est ça? Ben ils respectent ce qu'ils disent, quoi. Hein, ça ne teinte pas. Voilà. Alors, je vais essayer comme là, je suis revenu là. Je crois que normalement, je peux vous afficher. Alors, attendez, hop. Voilà. Le lien de Patine d'Or. Voilà. Donc le site Patine d'Or, si vous voulez aller, il est là. Je pouvais pas tout à l'heure sur l'autre téléphone parce que l'autre c'est juste un retour, donc c'est comme si je regardais le live de la même manière que vous. Et là sur celui-ci, j'ai la possibilité de vous afficher les liens que j'ai enregistrés. Bon, pour l'instant j'ai enregistré que c'est là. Le mini toi, oui, c'est mon mini moi, voilà. Sandra, c'est mon mini moi. Ouais, il y en avait un autre aussi qui commence par un C, donc voilà. Mais bon, je peux le dire, hein, je m'en fous, moi. Sandra, c'est ma choupinette. Voilà. Bon, ben on va attaquer. On va attaquer le relooking de cette boîte. Donc je vais poser ça ici.
Et de toute façon, les peintures, vous en reverrez d'autres, deux autres, donc au cours de la réalisation que j'ai choisi, donc qui s'appelle chocolat fondant, hop là, qui est la couleur chocolat qui est autour, qui est plus foncée, et café crème pour faire le highlight. Donc ça va pas rester comme ça évidemment. Là, j'ai juste fait un petit blending qu'on va refaire sur les côtés. Et sur la face avant et sur le dessus aussi, mais après avoir appliqué des moulures devant, pardon, devant et sur le dessus. Et ensuite, on fera un pochoir sur les trois autres faces. Voilà. Je vous remettrai le lien après pour ceux qui le veulent, vous me direz. Donc, alors, je vais essayer de avec le téléphone plutôt par ici. Excusez-moi, je vous bouge. Hein. J'essaie de travailler comme ça pour que vous voyez mieux quand même. Voilà. Et je vais peut-être le baisser un poil. Voilà, pas trop. Hop. Je continue mon café. Hein. Excusez-moi. Donc, ici, nous allons commencer par poser un trim. Voilà, le TR710. Qu'on va poser sur le bas de la boîte. Qu'on va poser là sur le bas et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre un cutter. Bon, j'ai mon couteau là, c'est pas grave, je vais faire avec parce que là, le temps que j'ai cherché un cutter à l'atelier, c'est pas la peine. Quel idiot! Donc, on va poser le trim sur le bas de la boîte. On va. J'ai plein de choses qui. Ah, zut! Plein de choses qui s'affichent. Hein. Alors, attendez, j'ai perdu mon retour. Non, décidément, aujourd'hui, je commence mal. Je suis désolé. Voilà. Hop, c'est bon, je l'ai retrouvé. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ah, mais j'ai plein de choses qui s'affichent, j'arrive pas à voir les. Commentaires, chocolat fondant, je préfère le manger même si celui-ci est très joli. Bah ouais, je sais bien, je me doute. Donc ici, on va poser ça et ensuite on va poser ces deux-là sur le devant. Alors faut que je fasse attention parce que comme un idiot, j'en ai cassé un tout petit bout. Il va falloir que je colle. Comme ça, vous allez voir que même cassé, ça peut se coller et se réparer sans problème. Donc là, ce sont les 24-37 de chez Woodubend, et ça je peux vous le mettre aussi, donc le site Woodubend Belgium, où vous pouvez également commander vos moulures. Donc qui vont venir comme ceci. Le trim, je vous montrerai après parce qu'il faut que je le détende. On va poser un petit camé comme ça, que j'aime beaucoup, ici au milieu. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris des repères pour dire d'aller un petit peu plus vite, et donc le trim sur le bas de la boîte. Voilà. Alors, on commence par où? Bon, on va commencer par le camé. Allez. Donc là, on a la colle. Ouf. Voilà. Là, on a un petit pot avec de l'eau et un pinceau pour nettoyer la colle. N'est-ce pas?
Et là, on a le décapeur thermique pour, ça devrait plaire à Catherine. Mais écoute, j'espère. Voilà, donc bah, les moulures ou du ben, comme vous savez, on les chauffe, hein, pour les ramollir. J'ai enlevé ça. Ce sont des moulures à base de fure de bois et de résine. Donc on les chauffe, ce qui permet, comme je disais, de les ramollir. Donc elles deviennent souples. Ce qui va nous permettre, par exemple, d'épouser des arrondis, évidemment, je n'ai pas assez chauffé, je parle, mais... Bonjour Marielle. Ok. Je vais faire un peu de bruit. Hein. Reste là, quoi. Comme vous pouvez le voir, une fois qu'elles sont chauffées, elles deviennent flexibles. Donc là, on va la poser au centre. On est d'accord. Donc, je l'encolle. Alors moi, je travaille au doigt, hein, pour l'encollage, en général. Je travaille rarement avec un pinceau. Donc on emmène la colle jusque sur les bords. On s'en met plein les doigts aussi, mais ça, c'est pas grave. Je ne sais pas travailler avec des gants et j'aime pas passer la colle au pinceau. Donc je la passe toujours à la main. J'ai toujours mes petites lingettes à portée de main. Hop. Et on pose au milieu. Voilà, on presse bien. On remet un petit coup de chauffe. Et on represse un coup pour être sûr que ça épouse bien la surface. Et ensuite, soit vous nettoyez avec une lingette, soit avec un pinceau, avec un peu d'eau pour enlever l'excédent de colle qui aurait pu déborder. Et c'est toujours mieux que ça déborde un peu. Au moins on est sûr qu'il y a de la colle partout. Voilà. Le suivant, même processus. Alors on va poser pas mal de moulures là. Voilà, 1, 2, 3, 4 avec le trim et 4 sur le dessus. Donc on va déjà poser tout ça avant de passer à la peinture. Et ensuite au pochoir et la patine. J'espère qu'on aura le temps de la finir ensemble. Moi, je suis pas super pressé. Hein, mais... Vous voyez que même épaisse, hein, elle devient tout à fait souple. Non, c'est pas les plus épaisses. Hein. Il y en a d'autres qui sont bien plus épaisses, mais c'est pareil, elles deviennent également tout aussi souples. Il suffit juste de les chauffer un peu plus longtemps. Il
J'essaye de rester dans le cadre, hein, parce que c'est pas évident quand on est tout seul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme d'hab. On presse. Faut que ça adhère bien partout. On rechauffe. Pour la pose des moulures, hein, donc 5 étapes, on chauffe, on encolle, on pose et on presse, on rechauffe, on represse, et c'est posé. Après, il reste à nettoyer. Tout simplement. La perruche qui a décidé de chanter. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Et donc là, on a celle que j'ai cassée, vous voyez. Donc le petit bout. Ici tout petit, hein. Le petit bout vient ici. On va pouvoir parfaitement venir le recoller dessus. Il n'y a pas de souci. Est-ce que là? La perruche agréable. Ouais, quand on l'entend pas trop longtemps, c'est agréable. Quand on l'entend toute la journée, il y a des jours, elle a décidé de chanter toute la journée. Alors quand c'est comme ça encore, ça va. Mais des fois, elle nous la joue un peu Maria Carré. Et donc là, du coup, c'est un peu moins agréable. Poser ce petit bout qui nous manque. Hop là. Ah, forcément c'est pas très pratique. Donc, je viens le repositionner sans problème à sa place. Et voilà. Concert en direct, ouais, tu m'étonnes.
Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai pu recoller le petit bout sans aucun souci. Hop, je vais me pousser un peu dessus. Voilà. Donc on a encore le trim à poser devant. Sur le pourtour. Il y a juste une chose à laquelle on n'a pas pensé quand on a réfléchi, c'est que sur le côté ça s'ouvre. Donc il va falloir. On va y arriver. On va faire quelque chose. Donc là, on va couper sur le dernier. Et là, exceptionnellement, là, je vais poser la colle. Ouais, quoique. Je vais pas la poser sur la moulure. Je vais la poser sur le coffre. Ce sera plus pratique. Donc, hop. Je viens mettre la colle ici. Simplement parce que je vais dans quel sens j'aime, ouais, dans ce sens là tout simplement parce que je vais faire le tour et du coup elle va se redurcir au fur et à mesure, évidemment. Et donc ça risque d'être plus compliqué d'en coller la moulure. Donc là, je vais en coller directement la boîte et poser ma moulure en la réchauffant au fur et à mesure. Hop là. Ah, évidemment, je m'accroche dedans. Et en plus, je commence pas par un bord, simplement parce que je ne veux pas avoir le raccord devant, mais plutôt derrière, de préférence. Vous voyez, après, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de faire au pinceau, hein, vous pouvez tout à fait faire directement, nettoyer avec une lingette. Donc là, je vais enlever le plus gros déjà. Voilà. On rechauffe. Et on réapplique. Alors, on voit tout de suite les endroits où il y a trop de colle, ça glisse. Quand ça glisse plus, normalement, c'est qu'on est bien. Voilà. Hop. Huh?
Là, on va déjà faire ce côté-là. Ça, je vais l'enlever pour l'instant. Peut-être parce que ça va m'embêter. Ça va glisser. Donc, on va faire ce côté-là. Ça se plie très très bien hein. Une fois que c'est chaud, donc pareil, on va mettre la colle directement ici. Je suis un peu embêté parce que du coup avec l'autre morceau de l'autre côté, je peux pas poser comme je veux. Donc travailler dans le vide comme ça c'est pas simple. Donc, quand j'ai fait ce côté là, après je pourrais le poser. Donc, pour l'instant je peux pas. Ça. Voilà. Alors Michel, si on regarde le reste en replay, on arrive à décider de changer de pièce et comme il est. Ok, mais pas de soucis, bon courage Michel et bon rétablissement à ton mari. Là on est bien, on n'a plus de colle qui dépasse. Donc là on va pouvoir ramener. Non, ce côté là je le ferai après. Je vais déjà faire ça. Plutôt, donc du coup je vais remettre ça. Et là le but du jeu ça va être de faire des petites coupes et de pas tout coller. Alors. On va déjà lâcher. Vous avez vu, c'est magique. Donc là, on va déjà faire une première découpe. Je vais me mettre dans l'autre sens peut-être. Je verrai mieux ce que je fais. Voilà. Parce que. Ah ouais, ça peut être simple cette histoire. On n'avait pas pensé à ça quand on a.
étudier le projet. Ah, ah. Vous voyez, comme quoi il faut vraiment tout regarder. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de cutter, donc je vais utiliser ça. Voilà. On va faire une première petite coupe comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Et on va couper aussi un peu ceci. Comme ceci. Voilà, pour laisser passer le tiroir. Donc, on va venir rechauffer ça. Je pense que le live va être un peu plus long que prévu. Parce que il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais bon, c'est pas grave. Bien. On va mettre un petit coup de chaud. Donc là, vous voyez, une fois coupé ici, ça donne ça. Et on va pouvoir continuer à poser. Donc, on va. Je suis en train d'emmêler mon câble de décapeur au fur et à mesure. Il faisait 1m50, je fais plus que 50 cm. Là. Alors attendez, je vais me démêler un peu parce que. On va rechauffer celui-là pour continuer à poser. On va mettre la colle ici, donc là, on va se mettre trop près, on va laisser un petit peu de marge. Là, on va faire pareil, on va couper ici. Vous voyez, ça se coupe bien. Là, j'ai même pas de cutter, hein. Je fais ça avec un couteau. Et franchement, donc là, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever le temps de finir de la coller. J'ai déjà enlevé un premier excédent.
Pardon. On achète un peu. Hop là. Ah. Là, on va tisser là pour l'instant. On va passer à la suite. Donc la suite, on va faire comme de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va venir se poser ici. N'est-ce pas? Et on va couper juste le petit bout là pour laisser passer la... pour laisser passer la trappe de la boîte. En fait, j'aurais peut-être collé l'arrière d'abord. Ouais, je vais faire ça plutôt. On va d'abord faire l'arrière et on finira ici. Ce sera plus simple. Donc, on va en coller ici. Ok, Angélique, pas de souci. Bon courage à toi qui travaille. Donc, on en colle. Bon, c'était juste un test, la peinture que j'ai fait derrière. Hein, donc, on va la refaire hein, de toute façon. Hein.
venir accorder celui-là. On en colle, toujours de la même manière. Voilà. Et là, ce que je vais faire pour faire une belle coupe, c'est que je vais venir chevaucher les deux moulures. Vous voyez ? Et je vais venir faire ma coupe sur les deux moulures. Donc je vais couper la première et la deuxième en même temps. Et ensuite, j'enlève le petit bout qui est là. Et je viens raccorder les deux. Ça, j'ai un beau raccord. Voilà. On remet un petit coup de chauffe. On est pas mal. Vous voyez, ça fait un raccord propre. Maintenant, on va chauffer là. Et on va faire comme tout à l'heure, donc on va la plier, venir la couper donc ici. Et enlever ce petit bout là. Et voilà. Hop. On colle ce petit bout là. Celui-là, donc là on va attendre un peu parce que du coup il n'y a rien qui va
Ça prend quelques secondes. Voilà. Et comme ça, hop, on peut remettre sans problème notre tiroir. Voilà, voilà. Ensuite, on a encore les moulures du dessus. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire vraiment. Peut-être qu'on la continuera en live plus tard. Parce que du coup, là, il y a quand même beaucoup de travail. Les femmes aident les femmes. Faf, ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, sur le dessus, on va poser ces angles-là aux quatre angles. Comme ceci. Alors dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez qu'on pose les moulures au-dessus, là, ou qu'on commence la peinture sur le devant, voir ce que ça donne. Dites-moi. Il y en a encore 4 à poser. Ce qui va donner ça. J'essaie de poser quand même, peut-être. Allez, on va poser. J'essaie de me dépêcher. Ça fait recommencer la peinture. Je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout parce que là, ça va être un peu long. Mais... la peinture, quoi. Je veux dire. Alors, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je pose ces deux-là. Et après, je tape la peinture dessus. Perso, tu as le temps. Allez, on va poser rapidement ces deux-là. Elles sont plus simples à poser. C'est que des angles. Donc on va aller assez vite. Il y en a qui arrivent à faire des projets en 3/4 d'heure, moi je sais pas comment ils font. En 3/4 d'heure, je sais pas faire. Hein. Je pose juste ces deux là et après on va passer à la peinture devant. Comme ça on va essayer peut-être de... On va essayer de finir le devant ensemble et au pire je ferai le reste après. Donc on va peindre, faire une petite patine et après poser un peu de pigment sur les moulures.
Ok Marielle, bon appétit, profite bien de tes enfants. Ouais, bah ça après c'est oui, c'est une question de goût Catherine, là c'est vrai que j'en sur celle-là je vais en mettre voilà un petit peu mais. Ça dépend, il y en a où j'en mets moins. Sur celle-là, j'ai voulu un peu plus moulurer. Voilà. Allez, on va faire celle-ci et après, on verra. Alors là, au pinceau, c'est quand même plus pratique que qu'à la lingette, hein, quand on a des moulures comme ça, très façonnées. Je préfère y aller avec le pinceau. Et éventuellement, après, je prends ma lingette pour enlever un peu les excédents d'eau. Un peu d'excédent de colle.
Voilà. Donc ça, c'est bon. On va s'arrêter là. Voilà. Alors attendez. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai plus la traduction. Gabriella. Magnifico lavoro, Steve. Ah, quel magnifique travail vous faites. Compliments. Grazie mille, Gabriella. Voilà, donc là on va s'arrêter là pour les moulures pour aujourd'hui, je poserai les deux plus tard. Et on va s'atteler à faire un peu de peinture sur le devant quand même que vous voyez les peintures patines d'or en action sur cette boîte. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai... sélectionné le chocolat fondant. On va falloir le remélanger un petit peu. Et le café crème. Alors, qui fait blanc, mais il est un peu. C'est un blanc cassé. Enfin, il est un peu beige. Il n'est pas vraiment blanc cassé en fait. C'est un beige très très léger. Voilà, café crème. Hop là. Évidemment, je finis. Je fais des bêtises. Donc lui, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre dans l'eau là-bas aussi. Hop. Excusez-moi, je vais juste boire un petit peu d'eau là entre deux. Voilà. Donc, on dirait craie. Ah non, non, c'est pas aussi blanc que de la crème. Hein. Non, non, c'est un beige très clair. C'est un beige très très clair. Alors, on va... J'aime pas faire les blendings en direct. C'est casse-gueule. Je suis sûr. Hein. Mais on va essayer. Ah oui, j'avais dit que j'allais la remélanger par contre. Donc hop, on va y mettre un petit coup de mélange. Surtout à la chocolat. Voilà. Donc, le but du jeu, ça va être donc d'être plus foncé sur le tour et plus clair, mais pas non plus blanc, donc pas, enfin pas blanc, mais ben vous m'avez compris quoi. Donc on va commencer déjà par faire cette moulure devant. Top pour le blending, ouais. Bon, après, je suis pas, j'aime bien, mais comment dire, enfin, j'aime bien y faire, mais je suis pas non plus un pro du blending, hein, donc faut pas croire. Hein, je m'y reprends des fois, deux, trois fois, avant d'avoir vraiment quelque chose qui me plaît.
En fait, je vais même aller chercher plus loin mon chocolat. Parce que j'ai vraiment juste un peu le centre plus clair, mais pas non plus trop long. Donc, je vais aller chercher mon chocolat un peu partout et je rajouterai juste le café crème dessus après, petit à petit. Alors vous pouvez voir quand même que la peinture, je vais y arriver, un patine d'or, ça couvre. Hein. Et là, je suis sur une seule couche. Hein. Et vous pouvez voir que arrête, il fait très beau génie. Oui, non, mais peut-être que ceux que je fais sont bien, mais comment dire, je les réussis pas forcément du premier coup. Vous, ce que vous voyez sur les réseaux, forcément, vous, voilà, vous voyez, je l'ai réussi, ok. Mais je suis un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que des fois, je m'y reprends hein, deux, trois fois avant d'arriver à quelque chose vraiment de satisfaisant. Hein, je suis pas. Pas toujours content de ce que je fais, donc bah, je recommence hein, comme beaucoup. Puis bon, il y a des jours tu es plus en forme que d'autres, donc des jours tu vas y arriver, et puis le lendemain tu vas faire un truc horrible. Et voilà, et c'est assez rare que je réussisse mon blending du premier coup, quoi. Voilà. Bon, je le dis, j'ai pas honte. Hein. Moi, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai beau être professionnel. Je suis comme tout le monde. Et j'apprends tous les jours. Hop, on va faire attention de ne pas oublier. Des petits morceaux en dessous. Voilà. Alors on va quand même. Ouais, brumiser un peu parce que ça sèche assez vite aujourd'hui quand même. Mais alors pas trop. Hein. Moi je brumise pas trop sur celle-ci. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter un peu de blanc déjà. Enfin de blanc. Je dis blanc, mais pas blanc, c'est café crème. Ce qui est vraiment pas blanc. Le but, c'est de le réussir, peu importe combien de fois tu recommences. C'est vrai, c'est vrai. Un petit peu de café crème, alors je vais pas trop le charger. Et là, je vais venir en apporter déjà ici. Un petit peu. Et maintenant, je vais y aller petit à petit parce que bouton d'or, non, Catherine, pas bouton d'or. Bouton d'or, c'est lui, le supermarché. Patine d'or. Et donc là, je vais venir. Vous voyez, j'ai pris.
D'ailleurs, je vais peut-être pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci que j'ai scotché un peu pour faire. Ça me permettra peut-être de mélanger plus facilement. Ah, ça sèche déjà. Voilà. En plus, j'ai la clim à la maison, donc la clim a tendance à bien faire sécher. Bon, après c'est une première couche, hein. Faut pas l'oublier non plus. C'est pas grave, Catherine, c'était rigolo. Bouton d'or. On pourrait essayer de faire un blending avec de l'huile. Peut-être ça marcherait. Bon, en même temps, faut en trouver en ce moment. Et on va en rajouter, parce que je voudrais quand même que ce soit plus clair au centre. Donc on va en remettre. Et, oui, et là je vais y aller en fait progressivement, comme ça. Et là vous pouvez voir que la peinture patine d'or se blend très très bien sans quasiment rajouter d'eau. Vous avez vu, j'en ai mis un petit peu tout à l'heure au début, mais j'en rajoute pas beaucoup, hein. Et elle se blend vraiment à merveille. J'étais très étonné d'ailleurs de ça, que ça se blend aussi facilement. Ça commence à prendre forme. On va encore éclaircir un peu le milieu. J'éclaircis petit à petit. Pas mal. Si vous en pensez.
Moi, je verrais bien un peu de doré. Non, mais. Franchement, Evelyne, m'as-tu déjà vu faire quelque chose sans doré? Regarde, attends. J'essaie de l'attraper. Alors, on va travailler avec ce doré-là, ces pigments, Pochac. Celui-ci s'appelle le Pell Gold. Regarde-moi ça. C'est pas joli, franchement. C'est impressionnant. Forcément, tu auras du doré, voyons. Alors, je vais juste rajouter. Parce que là, on est bien, hein. Moi, j'aime bien, là. Je sais pas ce que vous en dites, vous. Est-ce que ça vous paraît assez clair au milieu? Ah, j'ai le reflet. Ouais, mais ça me semble pas mal. Je vais juste foncer un peu mon bas. Parce que j'aimerais bien que ça soit un peu plus foncé. Donc, je vais revenir un peu dessus. Avec le chocolat fondu. Je dirais que je suis en train de faire de la pâtisserie. Chocolat fondu, café crème. Voilà, pour que ça nuance un peu plus. Pas mal. J'aime bien. J'aurais peut-être foncé un peu les angles sans les moulures. J'aurais peut-être foncé un peu les angles sans les moulures. C'est-à-dire ici là. Pourquoi pas, si tu veux. Avec la jaffe. Mais juste aux affaires familiales. Pour établir un certificat pour que je puisse avoir la garde alternée de cette boîte à mouchoirs. Nous allons avoir une très grande famille, ma Christine. Eh oui. C'est la Saint-Christine. Ah bon? Ben, c'est bonne fête alors. Finalement, blending et moulure, on ne s'est pas trop chargé. Non, du tout. Là, on va fondre un peu ce qu'on vient de faire. J'ai du mal à voir ce que je fais. En même temps, j'ai pas allumé la lumière. Alexa, allume la lumière du salon. D'accord. Voilà, je verrai peut-être mieux. Voilà, est-ce que tu trouves ça mieux? Voilà, ça c'est le côté où c'est pas fait, ça c'est le côté où c'est fait. Je sais pas si tu vois vraiment bien. Merci Caroline. Alors les couleurs, ce sont les couleurs de chez Patine d'Or, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc tu n'étais pas encore là. C'est une peinture qui vient de Belgique. Et qui est, on va dire, semi-artisanale.
La base est fabriquée en France, mais tout le reste, le conditionnement, la teinte, tout ça, c'est fait en Belgique, directement à la boutique, les patines d'Aline, qui sont des relouqueurs de meubles depuis 14 ans et qui ont créé ces peintures pour avoir quelque chose qui répond vraiment à leurs attentes. Excusez-moi, des fois je repars un peu en arrière parce que je vois pas la lumière naturelle. Je vais mettre peut-être juste un tout petit peu d'eau de ce côté-là. Je regarderai en replay si c'est possible, mais bien sûr, pas de problème, Caroline. Je mets toujours les lives, je les mets toujours en replay. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. C'est mieux comme ça, les filles. Alors, je peux. Nous sommes en transmission de pensée. Voilà. Donc voilà, on est pas mal, hein. Et en fait, je pense qu'on ne va même pas avoir besoin de faire une deuxième couche. Hein. C'est tellement. Ouais, non. Ça couvre tellement qu'on ne va pas avoir besoin. Donc c'est très bien. Ça, on va gagner un peu de temps. Donc là, ça, du coup, je n'en ai plus besoin. On va mettre ça dans le petit pot d'eau. Alors c'est aussi l'avantage de cette peinture, c'est qu'elle ne sèche pas aussi vite que la chalk paint. Donc on n'a pas forcément besoin entre deux de mettre ces pinceaux dans un sac en plastique pour pas qu'ils sèchent. Sauf si on les laisse longtemps, évidemment. Mais voilà, si on a besoin, on peut les laisser. J'ai encore emmêlé tout mon truc, moi. Je vais accélérer un peu le séchage pour qu'on puisse passer à la suite. On va faire un petit peu de patine. Magnifique. Dommage, j'ai pas le moule médaillon. Alors, tu peux le trouver, hein, sur woodyouben.be, tu les trouves. Alors le médaillon, c'est un lot de 5 en fait, hein. Donc 5 petits médaillons woodyouben, 5 petits camés que tu peux trouver sans problème sur le lien qui est affiché. Si tu l'as pas fermé, normalement il est affiché. Je peux le remettre. Sécher un peu.
C'est une petite couche de vernis avant de placer la patine. Moi, j'aime bien souvent vernir avant. Ah oui, tu peux faire avec des moules, évidemment. Donc ça, hop. Et donc on va le vernir avant de passer à la patine. Donc comme je disais, moi j'aime bien... Oui, j'aurais dû le mettre dans l'eau par contre. Ouais. Je ne pensais pas y passer autant de temps. Je vais prendre celui-là. Ah oui, tu es de mariage, c'est vrai. Écoute, bon mariage. Coucou Karine, j'allais dire coucou Corinne. Alors, attendez, je vous bouge un peu, je vais essayer d'attraper un pinceau que je vais nettoyer parce que l'autre, comme un nœud, je ne l'ai pas mis dans l'eau. Du coup, il est un peu séché. Celui avec lequel on a testé le vernis tout à l'heure. Donc forcément. A plus tard, Christine. Profite bien, amuse-toi bien, mange bien. Voilà. Voyage de pinceau. Et donc on va vernir ça avant de faire la petite patine. Je suis en train de me dire que j'ai prévu une patine marron et j'ai peur qu'elle soit un peu claire, un peu foncée pardon, parce que du coup enfin un peu foncée, un peu trop dans les teintes de ce qu'il y a déjà en fait. Donc du coup j'ai peur qu'on voit pas trop la patine. On verra. J'aurais peut-être dû prévoir la noire plutôt. Bon après c'est pas très grave. Je vous dis on teste. Hein. Alors, je parle plus trop là, mais j'essaye de faire vite et de me concentrer sur ce que je fais.
Donc là, c'est le vernis, la protection satin de chez Patine d'Or, dont on a fait le test tout à l'heure, et qui ne teinte pas du tout le bois. Donc reste à tester sur du bois massif. Mais en tout cas, là, sur cette petite plaque de contreplaqué, donc le contreplaqué qui prend quand même relativement bien la teinte, là, ne s'est pas du tout teinté avec le vernis. Alors là, ça fait très blanc. On va voir. Mais vous voyez sur. Ça c'est le côté original mat et ça c'est le côté où on a mis un peu, on voit pas trop, on voit pas vraiment, mais bon, ça a légèrement satiné et ça n'a pas du tout teinté. On va sécher, j'espère que ce côté blanc va disparaître. Normalement oui. Et là, je suis vraiment en test, hein, donc les produits, je ne les connais pas, je découvre avec vous. C'est crash test. Habituellement, donc, quand je fais je fais rarement du séchage rapide. Là, je le fais pour le live, mais sinon, je le fais pas. Le côté blanc est en train de disparaître. Ouais. Alors on est vraiment sur un satin léger. Hein. Il y a des satins qui sont beaucoup plus foncés que ça. Bon, beaucoup plus foncés, n'importe quoi. Beaucoup plus brillants, tout ça. Là, on est vraiment sur un satin léger. Donc ça, ça me plaît bien. Mais j'aime pas quand c'est très brillant. C'est fini de sécher sur un côté et en attendant on va préparer notre. Ah oui. Excusez-moi, j'ai un peu toujours mon genou en vrac et il y a des moments ça tire. Voilà, on va préparer nos pigments. Alors, je vais peut-être faire avec. C'est pareil, j'ai pas tout prévu, vous voyez. C'est pas bien. Hein. Je vais faire ça avec ça. Je vais pas en faire trop, hein, ça sert à rien.
Donc un peu de poudre de pigment Pale Gold. Donc là, c'est un or pâle. D'accord. Vous voyez comme il est. Et un petit peu de pigment Infusor. Et on mélange. Tout simplement. On mélange le pigment Infusor avec les pigments. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez que ça sert à rien d'en préparer beaucoup, hein. Quand vous faites des petits projets comme ça, à votre peau de pigment, il vous fait pas mal de temps. Voilà, voilà ce que donne l'or pâle. J'espère que ça vous plaît. Et donc là, on va maintenant venir faire. De dry brush, comme ils disent, je sais pas si vous voulez voir ici. Moi, je trouve qu'avec qu'avec ces couleurs, c'est très classe. Donc là, on va venir faire pareil sur Madame. Et vous voyez, pareil avec les pigments post-chalk, on va quand même très très loin. Vous avez vu, j'ai pas rechargé mon pinceau encore. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien d'en préparer beaucoup. Soyez économe. J'ai fait toute ma façade, alors je vais l'emballer, je pense, mon pigment pour dire de le garder pour faire le reste, mais voilà quoi. Vous voyez que j'ai vraiment pas utilisé grand chose. J'ai vraiment pas utilisé grand chose dans le pigment, hein. J'ai juste trempé mon pinceau une fois. Voilà ce qui me reste, bah du coup il me reste quasiment tout quoi. Donc ça, je vais l'emballer dans du film alimentaire et essayer de finir ça tranquillement. Je pense que je vais le mettre au frais aussi, peut-être pour pas que ça sèche.
On verra. Bon, après, si ça sèche, c'est pas bien. Poil de chat qui se balade dedans. Donc voilà. Alors, on n'aura pas fini complètement, mais voilà, vous avez une idée de ce que ça donnera à la fin. Donc ce petit blending de chocolat fondant et de café crème sur les moulures Wood Uven et un peu de pigment pale gold, donc de chez Pochalk. Voilà, tout simplement. Moi aussi je trouve très classe. Voilà, c'est pas grand chose, vous voyez, mais voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remontre rapidement, donc, comme vous avez pu le voir, le vernis, enfin la protection satin de chez Patine d'Or, donc qui effectivement ne teinte pas du tout. Vous voyez, là, je l'ai, là c'est la couleur originale. Et là, c'est protégé. Satin, bon, il n'y a qu'une couche, hein. Mais voilà, vous voyez, ça ne teinte pas du tout le bois. Et trois autres couleurs que celles qu'on a utilisées. Donc, Abyss, couleur pourpre, la couleur pourpre et Grand Cru. Voilà, qui sont des couleurs vraiment magnifiques, moi j'adore, franchement. Donc je vous rappelle que Patine d'Or, c'est une peinture belge créée par des relookers, pour les relookers, pour les professionnels, pour les amateurs, pour tout le monde. Voilà, donc des relookers depuis 14 ans, ils ont créé cette peinture donc qui est fabriquée en France pour la base, et tout le reste est fait en Belgique au sein même de la boutique, pas dans une usine. Au sein même de la boutique, à la main. Donc ils remplissent les pots, ils teintent les pots, ils collent les étiquettes à la main. Ils font les petites étiquettes de couleur qui sont sur les pots, sont peintes au pinceau, donc vous avez la vraie couleur sur les pots. Et vous avez également la vraie couleur sur les nuanciers. Puisque les nuanciers également, voilà, je vous remontre une partie du nuancier, vous avez l'autre partie à l'intérieur. Il y a actuellement, pardon, 40 teintes, je vais y arriver à l'ouvrir. Il y a actuellement 40 teintes. Hop, voilà. Et donc toutes ces petites pastilles, là, elles sont collées. Vous voyez? Et tout ça, c'est peint à la main, au pinceau. On peut, je crois qu'on peut voir d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a certaines. On voit les coups de pinceau, donc on voit bien que c'est pas industriel. Voilà, ce sont les vraies couleurs. Vous voyez les coups de pinceau là? Regardez. Hop. Voilà, donc tout ça, c'est bien peint à la main. Donc vous avez vraiment la vraie couleur sur le nuancier, et ça, je trouve que c'est un plus. Avec Aline et Aurélien, donc des Patines d'Aline en Belgique, qui ont créé cette gamme de peinture Patine d'Or, donc gamme bois mat ou satin, satin mat ou velours pour tout ce qui est boiserie, pour les meubles, voilà. Et il y a également une gamme chantier pour les murs, pour les escaliers, pour voilà, qui est encore plus costaud. Voilà. Ben écoutez, je vais vous souhaiter un excellent week-end. J'aime beaucoup le nom des teintes. Oui, moi aussi, j'aime bien le nom des teintes. C'est vraiment sympa. Voilà, est-ce que je peux vous dire encore quelque chose sur Patine d'Or? Je pense pas, j'ai fait à peu près tout le tour. Je pense, hein. D'ici quelques temps je testerai aussi les autres produits. Pour l'instant, voilà, j'ai testé des peintures et une protection, la protection satin,
J'utilise assez peu de protection mat, donc je l'utiliserai peut-être. En revanche, je testerai très certainement les autres produits de la gamme, comme le décapant, puisqu'ils font également, ils ont également créé un décapant. Ils ont créé un nettoyant pour les meubles et pour, enfin, pour les chantiers avant peinture. Et je ne sais plus, il y a d'autres choses, j'ai pas tout en tête, mais voilà, donc le décapant, ça c'est sûr, je le testerai. Le nettoyant aussi, je le testerai dans les semaines ou dans les mois à venir. Et je testerai certainement d'autres couleurs. Voilà. Et peut-être d'autres produits, parce que bah, d'ici peut-être l'année prochaine, il faudra peut-être repeindre la maison. Donc pourquoi pas les tester. Tester la gamme chantier, la nouvelle. Qui arrivera d'ici quelques temps, qui est actuellement en comment dire, en, je vais y arriver, en cours de reformulation. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite un très très bon week-end, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à partager aussi si vous le souhaitez. Voilà, je vous ai mis tous les liens en description. Je vérifierai après s'il y en a d'autres à mettre. Allez, je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt pour certainement vous présenter la nouvelle gamme d'Ixibel, Terra. Et voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Allez, ciao, ciao. Bisous.